Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est lundi, on est le 1er octobre aujourd'hui, donc voilà. Donc aujourd'hui, quoi de prévu? Donc là il est 8h, presque 8h30. Donc Christophe est parti emmener Léane à l'école. Alors sachant que pour le mois d'octobre, du coup, j'ai modifié ses jours de cantine. Je la mets le lundi et le vendredi. Alors, sauf la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous. J'ai des rendez-vous le mardi et le jeudi, donc du coup, je pourrais pas la mettre. Enfin, je la mettrai le mardi et le jeudi, du coup, à la cantine. Mais juste la semaine prochaine, et sinon, les autres semaines, ce sera donc le lundi et le vendredi. Voilà, donc aujourd'hui, elle va à la cantine, donc j'ai juste à aller la chercher à 4h cet après-midi, voilà. Voilà. Sinon, bah, rien de spécial de prévu. J'ai pas mal de petites choses à acheter. On a un, deux, trois, quatre anniversaires en fin de semaine, donc il faut qu'on aille acheter. Moi, je pense pas que ce soit aujourd'hui. On ira peut-être mercredi matin acheter les cadeaux. Voilà, c'est pour quatre enfants, hein, donc voilà. Sinon, bah, je pense que je vais faire un peu de shopping sur internet, sur H&M, je pense. Voilà, pour l'instant, je sais pas trop. Voilà, je vais sûrement prendre les tenues de déguisement d'Halloween. Bon, sachant que nous, Halloween, bon, ça, on a encore le temps, hein, mais bon, je m'y prends. Ce sera fait comme ça, voilà. Sachant que je vais pas y mettre non plus des 100 et des 1000, hein. Voilà, je vais pas. Pour une journée, on va pas se ruiner non plus. Donc j'avais vu sur H&M qu'il y avait des petites choses sympas. Donc, je verrai avec Eliane ce qu'elle a envie de porter. Sachant que nous, Halloween, on fait pas le porte-à-porte là pour aller acheter, pour aller quémander des bonbons aux gens. Ça, je supporte pas. J'aime pas quand on vient me le faire. Alors, je vais sûrement pas aller le faire à mes enfants, quoi. Enfin bon, après ça, c'est chacun son avis, hein, sur la question. Voilà. Sinon, je vais regarder aussi sur H&M les tenues pour bébé là, voilà, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu. Donc voilà, et puis sinon bah voilà, je pense que Christophe va peut-être attaquer l'étagère de la cuisine là, comme je vous avais dit. Voilà, donc. Et sinon, donc hier dimanche, je ne vous ai pas pris, hein, puisqu'on était chez les parents de Christophe. Donc bah, c'était une très bonne journée. On a mangé avec eux midi. Et puis voilà, les enfants ont été super sages hier. Ils ont tout mangé. Lui, habituellement, il mange rien. Et là, il a tout bouffé. Les coquins. Mais bon, c'est mieux, tant mieux. Hein. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Donc là, je viens d'aller à Carrefour pour faire des photos d'identité parce que j'en avais besoin pour refaire faire ma carte vitale pour la deuxième fois, parce qu'ils ne l'ont jamais envoyée. Donc je refais le dossier, voilà. Bon, s'il ne me l'envoie pas cette fois, là, je crois que je ferai sans carte vitale et j'ai toujours l'attestation, hein, ça passe à chaque fois dans les rendez-vous. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, on verra bien. Donc voilà. C'est qui ça? C'est qui? Qui c'est qui filme? Qui c'est qui filme? Ouh là là. T'as trouvé les stickers? Mais si tu y arrives. Tu veux quoi ça? Regarde, tu vois, ça décolle. C'est mignon. Oh bah oui, et puis avec le dos d'Indé, c'est très classe. Lui, il est toujours un tout petit peu pris du nez, mais pas énormément. Donc. Voilà, lui, il a décoré tout le bras de maman. Le kiwi secret d'Eliane. Il est pile midi, donc là, je suis toute seule avec lui à midi, hein, donc on est tous les deux.
Voilà, et donc là c'est pâtes et poissons panés. Il restait plus que deux petits poissons comme ça, donc j'en ai fait un chacun. Voilà. Alors, il est un peu plus de 14h, donc là, Louis, il est à la sieste depuis une bonne heure déjà. Donc, moi, j'ai fait des petites commandes là pour les bébés. Voilà, craquage. Donc, j'ai pris une combinaison sur le site de La Redoute. Combinaison, pas combi pilote, hein, parce que j'en cherchais une justement, mais j'ai pas trouvé. Enfin, si, j'en avais trouvé une, mais elle est pas en stock, donc du coup, bah tant pis. Et puis, il faut que je regarde quand même si j'en avais pas gardé de Louis. Il me semble que j'en avais gardé, mais bon, je sais plus en quelle taille. Donc, il faudra que je regarde ça quand on récupérera les cartons. Voilà, donc les cartons sont chez mes beaux-parents en fait. Hein, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé des petits bonnets sur Next Direct. Voilà, le site. Et puis, j'ai commandé aussi des petits bacs de rangement pour mettre dans leur placard sur le site de Verbaudet. Voilà, donc quand je recevrai tout ça, je vous montrerai bien sûr. Voilà, et puis donc j'attends le retour de l'école des Léanes pour regarder sur le site de H&M. Je pense que je vais craquer encore pour les bébés et puis je prendrai des déguisements d'Halloween pour Eliane et Louis. Voilà. Il est presque 15h30. Louis, je viens de le réveiller. Voilà, et là on va aller chercher Eliane à l'école. Voilà, donc là on est dans la voiture, on attend Eliane, mais alors il fait un temps pourri. On a pris une radée de pluie en sortant de la maison. Là devant l'école encore, ça, il y a 5 minutes de route, hein, mais ça pleut pas beaucoup, mais un petit peu quoi. Mais voilà. 11 degrés ce matin, enfin cet après-midi, 11 degrés, alors que la semaine dernière on avait encore du 23-24 quoi. Mais bon. Alors, il est 16h30, donc on est bien rentré de l'école avec encore une radie sur les. Voilà. À chaque fois que je sortais de la. Que je sors du. De, du enfin, quand je suis sortie du bâtiment tout à l'heure, pareil, la pluie. Quand je suis sortie de la voiture pour aller chercher Eliane devant l'école, pluie. Voilà. Super. Bref, c'est pas grave. Et donc, j'ai vu que Charles Aznavour était décédé. Donc, il a 94 ans, je crois. Bon, il a une belle vie quand même. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, Eliane, elle a fait ses devoirs. Et franchement, ses devoirs, moi, je trouve que c'est vraiment très, très facile, quoi. C'est. Franchement, enfin bon, là, c'était de dire si dans certains mots, il y a tel son. Donc là, c'était le son oua. Est-ce que dans oiseau, dans machin, il y a le son oua? Mais si. Enfin bon, après, voilà. Si c'est pas compliqué pour elle, tant mieux. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment très très facile, je trouve. Voilà, c'est même bizarre, quoi. Mais bon, voilà. Donc là, je vais aller regarder sur H&M avec Eliane les trucs d'Halloween. Et puis je vais peut-être leur commander un petit truc sur le Disney Store. Enfin, c'est plus Disney Store maintenant, c'est Disney Shop, je sais pas quoi, ou Shop Disney, un truc comme ça. Donc je vais regarder ça avec eux. Voilà. Non, 18h15 presque. Donc là, Louis, il a pris. Bah, en fait, je pensais qu'il voulait un bain et il m'a fait une crise. Je sais pas ce qu'il voulait. Donc du coup, il a juste une petite douche et voilà. Je sais pas, aujourd'hui. Bon, c'est pas bien grave. Eliane, elle est dans l'eau aussi, là. Voilà. Sinon, donc là, j'ai commandé des. Donc, j'ai passé donc une commande sur le site de H&M. Donc, j'ai pris d'ailleurs un tapis pour la chambre des enfants, des bébés. Voilà. Donc, il est super joli. Il est blanc avec un motif un peu ours, montagne et tout. Et j'adore. Voilà. Il faisait quoi? 30 euros, je crois. Donc, ça allait. Puis, il a l'air assez grand quand même. Donc, voilà. J'espère que la qualité est bonne, quoi. On verra bien à la réception. J'ai pris un petit ensemble aussi avec un body, un bonnet et un petit pantalon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre aussi? Et puis j'ai pris des petits accessoires pour Halloween pour Eliane. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'Eliane, elle avait une robe qui faisait très bien, très. C'est une robe noire avec un chat, avec un chapeau de sorcière. Donc franchement, ça fait plutôt Halloween. Donc elle mettra cette robe avec des collants noirs. Et puis du coup, là, je lui ai acheté un petit. Une espèce de serre-tête avec des oreilles de chat et un truc. Enfin, vous verrez le jour d'Halloween en fait. Voilà.
Et puis Louis, je lui ai pris aussi un petit pull motif Halloween. Voilà. Bon, après, on ne fait pas énormément de choses, donc je ne voulais pas y mettre trop cher. Voilà. Sinon, j'ai pris aussi sur le site de Disney Store, donc une petite surprise pour les enfants, pour Eliane et Louis. Oui. Voilà. En fait, j'aime bien leur faire ça de temps en temps parce que comme on ne peut pas se permettre financièrement, et puis en ce moment, ça peut être possible d'aller au parc Disney, du coup, bah, et puis qu'on est quand même très fan voilà, de tout cet univers. Du coup, bah, je leur fais de temps en temps, tous les 3-4 mois, je dirais, tous les 3-4 mois, je leur fais une petite surprise sur le site de Disney. Voilà. Tant qu'on ne peut pas y aller, voilà, je vais faire comme ça, quoi. Voilà. Donc là, je vais regarder ce qu'on fait à manger ce soir, et puis voilà. Regardez-moi la dégaine d'Eliane. Voilà. Ça, c'est le temps que j'étais au téléphone avec mamie. Voilà comment Eliane s'est habillée. Louis, tout à l'heure, il avait le costume vert aussi. Et... Non, voilà, il le costume de la reine de neige. On va passer à table? Oui! Ce soir, c'est pizza! Au Le traîneau de Noël. Au pays des petits garçons, c'est Noël qui apporte les cadeaux avec son beau traîneau. Cette année, les lutins l'ont amélioré en ajoutant des fusées, car la tournée s'est encore allongée. Hop là! T'es Père Noël? T'es déjà au Père Noël, toi? Allez, toi, vas-y. Bon, ça, c'est le traîneau avec les cadeaux. Avec les cadeaux. Les rennes. Après. C'est quoi? Les cadeaux. Moi, je peux. On est arrivé devant le grand zoo. Regarde, petit frère, les éléphants là-haut. Dis donc, toi, avec tes bosses sur ton dos, t'es un dromadaire ou un chameau? Je vous reprends, il est un peu plus de 22h, donc là les enfants, je les avais couchés vers 20h15, 20h20. Et quand Christophe est rentré à 21h, ils se sont relevés. Voilà, Louis voulait un bib, Eliane, elle voulait pas se coucher, enfin c'était la crise ce soir. Donc on s'est légèrement fâchés, on va dire. Et voilà, donc là, ils sont au lit, ils dorment bien profondément maintenant, heureusement. Voilà, donc moi, je vais aller faire de même. Donc je vous laisse sur ce vlog. Alors, je ne sais pas si je ferai un vlog demain ou si j'en fais un sur 2 jours, je ne sais pas trop encore. Mais en tout cas, je vous retrouve très bientôt. Voilà, gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Gros bisous.